Vu que leur seul souhait est de squatter la tête, on... ouais, je... comment... Vu que leur seul souhait est que tu squattes la tête, Vu que leur seul souhait... Ouais, c'est Rémi pour GQ, mon pote. Kalash, il y en a une qui est bien, c'est quoi? C'est comme un mec sur le banc, tu vas rien faire à part rester assis. Celle-là, elle est bien drôle. Fianso, c'était évidemment que ça finit mal, sinon ça finirait jamais. C'est une phrase que j'aimais bien aussi. Tailleur, j'en ai mis deux, j'aurais pu en trouver 10. Il y en a une que j'aime bien, c'est la moitié d'un poteau, c'est la moitié d'un traître. Et aussi, la vérité n'est qu'un point de vue selon l'angle de tir. Elle est bien, très très bien. J'aurais même pas assez de force pour te l'expliquer à ce temps-là. Je viens de me lever. Yassinik, c'est une phrase, c'est pas forcément une punchline, mais que j'avais kiffé quand j'écoutais ses sons à l'ancienne. Il tousse et me dit « je trouve que t'as l'air fort, mais il ignore que je me plains quand j'ai un trou dans mes Air Force ». Tu vois, et ça, c'était un son qu'il avait fait pour les enfants qui étaient à l'hôpital, tu vois. Et il parlait de ça quand il faisait cette référence, entre guillemets. Eux, ils sont malades et moi, je me plains quand j'ai un trou dans ma paire de pompes. Et j'avais bien kiffé ce truc. Celle-là, je crois que c'est la plus connue de Caris, mais je suis obligé de la dire parce qu'à l'époque, j'étais au collège. Si je te fends le crâne en deux, quel œil va se fermer le premier? C'était quelque chose. Sadek, j'ai bien aimé sa phrase « Être célibataire à la Saint-Valentin, c'est mieux qu'être orphelin à la fête des mères. » C'est une bonne petite phrase, tu vois. Aïe, aïe, aïe. Atik, yo. Celle-là, elle est facile. Celle-là, il y en a une qui l'a dit dans son dernier son, là, Welcome. Cherche pas la main de ta sœur parce qu'elle me avec. Et ça, c'est chaud. Mais bon, dans le clip, je suis dedans, donc il y a la référence. Donc, allez voir. Celle-là, j'ai bien kiffé. Vu que leur seul souhait est que tu squattes la thèse, on te jette en BEP quand tu souhaites faire une fac de lettres. Le son, c'est qui peut le nier, au cas où. Ouais, mais Marc Lavoine, j'écoute pas du tout, du tout. Enfin, je connais ça avant, mais bon, c'est pas trop des punchlines, tu sais. Il fait des punchlines, Marc Lavoine. Et c'est quoi, c'est classique à Marc Lavoine? Parce que je sais qu'il en a, mais j'ai pas... Tu vois, regarde. Tu vois? Je viens dans leur bureau, ils me font... Oh! Toi aussi, faut que t'écoutes du Marc Lavoine. Joker. Marc Lavoine, Joker. Ouais, c'est Rémi, mon pote. Abonne-toi à GQ France pour avoir d'autres punchlines.